of Us remasteré de PS4. Français, oui, je suis français. Donc j'espère que vous allez tous très bien. J'espère que j'ai bien positionné ma caméra parce que je me souviens plus du tout de l'ATH de The Last of Us. Ce jeu, je l'ai fait sur PS3, donc autant vous dire que ça remonte à quelques années, j'ai envie de vous dire. Et puis voilà, on va tranquillement redécouvrir ce jeu ensemble. Comme dit, ça fait très très longtemps que je l'ai pas fait. Et c'est avec grand grand plaisir que je vais le refaire. Je vérifie vite fait le volume qui est à fond, qui est parfait. Pour que vous entendiez ma voix suave. Et en même temps le jeu, j'ai envie de vous dire. Hein. Bien, donc on va tout placer comme il faut. Hop. Voilà, on place le téléphone, on place l'ordinateur à droite. On est paré, on est prêt. On est chaud patate, mesdames et messieurs. Alors attendez, je vais juste voir si Twitch a fait les choses comme il faut au niveau des tags, etc. C'est un jeu français, oui. C'est un jeu de tir, oui. C'est un jeu d'horreur, oui. Waouh, ils ont mis tout ça? Ok. Ok. D'accord, ok. On va partir sur ça hein, tranquillement hein. Et on va se mettre sur le tableau de bord le studio vidéo pardon de Twitch. C'est mieux. Ah merde, c'est pas celui-là. C'est celui-là. J'ai celui-là de stream, voilà. Voilà, parfait. Là, c'est mieux. Là, on voit tout. On est content. On est beau. Tout bien. Débit parfait. On voit le débit qui est bon. Ok, c'est parti. Let's go. On appuie sur X. C'est parti. Nouvelle partie. Bah oui, je recommence le jeu. On va jouer en normal. Parce que. Difficile, non. Non, je suis pas. Ah, création de sauvegarde. Ok, super. Le petit écran bleu qui fait plaisir. Et en plus, il y a l'écran qui me cachait. Alors, je me souviens plus si les chargements sont longs dans ce jeu. J'espère pas, parce que ça va faire chier sinon. Pour la peine, je vais boire de l'eau. Alors, n'hésitez pas à me dire, vous aussi, sur le live et aussi pour la rediffusion YouTube, qu'est-ce que vous avez pensé de ce jeu? Bien qu'il date un petit peu et qu'il y a le 2 qui va arriver bientôt, je l'attends celui-là impatiemment. J'ai précommandé le collector d'ailleurs. Donc, let's go quoi. Eh oui. Unlock the games. Salut. Tommy, écoute-moi. C'est l'entrepreneur. C'est l'entrepreneur, ok? Je peux pas perdre ce boulot. Oui, je comprends. Écoute, on parle de ça demain, ok? Ouais, on en reparle demain matin. Ouais, ok, bonne nuit. Ah ben je l'ai réveillé. Hey. Tu me fais une place? T'as eu une dure journée? Qu'est-ce que tu fais debout? Il est tard. Oh mince, quelle heure il est? Il est largement l'heure d'aller te coucher. Mais c'est encore aujourd'hui. Oh chérie, non, pas maintenant, je suis trop fatigué pour ça. Tiens. C'est quoi ça? Ton anniv? T'arrêtais pas de te plaindre que ta montre était cassée. Alors, je me suis dit. Elle te plaît? Oh chérie, c'est. C'est gentil, mais. Je crois qu'elle s'est arrêtée. Elle... Quoi? Non! Ah. Avec quel argent t'as acheté ça? La drogue. Je vends des drogues dures. Ah, cool. Tu vas pouvoir m'aider à rembourser l'emprunt. Ouais, dans tes rêves. Téléphone fixe dans sa chambre.
Ça existe encore, ça? Bonne nuit, trésor. Allô? Sarah, chérie, il faut que je parle à ton papa. Oncle Tommy, il est quelle heure? Je dois parler à ton père, il y a des... Oncle Tommy? Allô? Prends la batte de baseball. Ah oui, c'est vrai qu'au début, on joue la petite fille. Mais qu'est-ce qui se passe? Je prends la batte? Parce qu'il va y avoir du claqueur dans l'air, là. Oh, mais... Oh, la télé cathodique, mec! Avec le magnétoscope! Mais ça existe encore! Mais il date de quelle année, ce vieux? Je sais même plus. J'ai oublié de lui donner ça. Mais écrit quoi? Je lis pas l'anglais. Y a quelqu'un? Papa? C'est quoi ça? Ah, c'est les toilettes. On va lire le journal. Mais mettez-moi en français, s'il vous plaît. Je parle pas anglais. Oh, dégueulasse. Papa. Papa Joël. Oh le bordel! Qu'est-ce qui s'est passé? D'après nos sources, les patients souffrant de l'infection montrent des signes croissants d'agressivité. Ouais, évacuez tout le monde, il y a une fuite de gaz. On dirait qu'il se passe quelque chose derrière nous. C'était quoi? Ouh! Papa? Où est mon papa? Je suis pas très très rassuré là. Je sais même plus où il est. Ça fait tellement longtemps que j'ai plus fait ce jeu. C'est bien, ça va me rappeler des souvenirs. Mais je crois qu'il est pas là, Joël, je crois. Je crois qu'il va venir après, je crois. C'est son téléphone. Il t'appelle en absence. Mais où est-ce que t'es? Rappelle-moi, j'arrive bientôt. Écris quoi? I'm going to him. Je sais pas ce que ça veut dire. Où est-ce qu'il est? Y a pas un fusil qui traîne? Je vous l'ai dit, je me souviens plus du tout. Oh! Te voilà. Sarah, tu vas bien? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Est-ce que quelqu'un est venu? Non, quelqu'un devait passer. N'approche pas des portes. Ne bouge pas d'ici. Papa, tu commences à me faire peur. Qu'est-ce qui se passe? C'est les Cooper. Il y a un truc qui cloche. Je crois qu'ils sont malades. Quelle maladie? Putain! Oh, je me suis effrayé de ouf. Jimmy, je te préviens. Allez, allez. Sarah. Je l'ai vu ce matin. Écoute-moi. La situation devient trop dangereuse. Il faut qu'on s'en aille d'ici, tu m'as bien compris. Ouais. Faut se barrer. T'es au courant de ce qui se passe dans le coin? On peut dire ça. Putain de merde. T'as du sang partout sur toi. C'est pas le mien, tirons nos destins. Il paraît que la moitié de la ville a perdu les pédales. Est-ce qu'on peut y aller, s'il te plaît? Qu'est-ce qui s'est passé?
Ça va. C'est trop bien fait quand même, elle se déplace. Ouais, bien sûr. Merci. Portable. Radio. Ouais, tout se passe bien. Il y a une minute, le journaliste s'arrêtait plus. Ils ont dit où aller. Ils disaient... On est dans la merde. On met un stade des barrages sur la nationale. On rentre plus dans le comté de Travis. Ça veut dire qu'on doit décamper d'ici. On la 60-61. C'est la journée. Ils ont dit le nombre de morts ? Sûrement un paquet. La famille a été retrouvée mutilée dans sa maison. Je roule doucement, mec. Mon Dieu, comment c'est arrivé ? Personne ne sait. Mais tu vas où ? Pas seulement ici. Au début, ils parlaient juste du sud. Maintenant, ils parlent de la côte est. Continue. Ils ont un gosse, Joël. Nous aussi. Mais on a de la place. Continue, Tommy. Vous n'avez rien. Quelqu'un d'autre passe. Je suis pas sûr. Oh là là. On est dans la merde. Demi-tour. Oh ! Demi-tour. Tommy ! Tommy ! Oh ! Wow ! T'as vu ça ? Oui, j'ai vu aussi. Roule doucement, roule doucement. Non, 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 non. Sors-nous. Je fais de mon mieux. On peut pas rester ici, Tommy. Merde, je peux pas leur foncer dessus. Alors ouais. Fais demi-tour. Ils sont aussi à mon cul. Là, là, là. Accroche-toi. Allez. Pouh, j'avais oublié ça. Non, moi j'ai mon Colt dans le slip. Je parle du flingue, pas d'autre chose. Oh! Je suis là, chérie, je suis là. Donne-moi la main. Ah, j'ai fait zapper que c'était aussi violent, hein. Je crois, non? Mais cassez-vous! Attends-moi, frère. T'as le flingue, fais pas le con. Ne regarde pas ça. Mais cassez-vous! Arrêtez de me rentrer dedans, bande de cons! Ah bah le cinéma, il est cassé. Ouvre la porte!
Bien joué. Ferme la porte. Oh! Bien joué. Il est mort. On y est presque. Il lui a claté le crâne. Oh là là. Avance! Il trouve une issue! Allez! Oh. Je peux pas aller plus vite, frère. Non, 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 non. On y est presque. Je peux pas aller plus vite, hein. Je peux pas aller plus vite, je suis à fond. Ça va, chérie, c'est fini. Qui c'est qui a fait ça? C'est fini. Hé hey, on a besoin d'aide. Stop, s'il vous plaît. C'est ma fille. Je crois que sa jambe est cassée. N'avancez pas. Ok. Nous ne sommes pas malades. J'ai deux civils dans le périmètre extérieur. Quels sont vos ordres? Papa, où est oncle Tommy? On va te mettre à l'abri et on reviendra te chercher. Ok? Chef, il y a une petite fille. Mais... Non, me dis pas qui tu veux me tuer. Écoutez, on vient de vivre un cauchemar, ok? On veut juste... Oh merde. Je vous en prie. Oh non. Non, 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 non. Ok. Enlève tes mains, chérie. Je sais, chérie, je sais. Non. Écoute-moi, je sais que t'as mal. Ça va aller, chérie, reste avec moi. Allez, je vais te soulever. Je sais, chérie, je sais que t'as mal. Allez, chérie, je t'en prie. Je sais, chérie, je sais. Sarah. Chérie. Ne fais pas ça, chérie. Ne fais pas ça. Allez. Non. Putain, j'avais oublié ce début, hein. Non. 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 Pitié. Oh, Dieu. Pitié. T'as 20 minutes de live, je pleure déjà à moitié. Pitié. J'avais oublié qu'il commençait comme ça, le jeu, putain. Nous avons désormais franchi la barre des 200 morts. Le gouverneur a déclaré l'état d'urgence. Il y avait des centaines et des centaines de cadavres dans les rues. Le monde entier a cédé à la panique lorsque l'Organisation mondiale de la santé a indiqué que les derniers tests de vaccination avaient échoué. Le pouvoir n'étant plus aux mains des bureaucrates, nous allons prendre les mesures nécessaires pour protéger nos citoyens. Los Angeles est désormais la dernière ville à être placée sous loi martiale. Tous les habitants sont priés de se présenter dans leur zone de quarantaine. Les rations hivernales n'ont jamais été aussi maigres. Et les émeutes durent depuis maintenant 3 jours. Un groupe se faisant appeler les Lucioles a revendiqué être à l'origine des deux attaques. La foule réclame le retour au pouvoir de toutes les branches du gouvernement. Des manifestations ont éclaté après l'exécution de 6 membres présumés des Lucioles. Montrez votre révolte à nos côtés. Quand vous êtes perdus dans l'obscurité, cherchez la lumière. Faites confiance aux Lucioles. Meurt. Vingt ans plus tard, t'imagines? C'est-à-dire qu'il doit avoir 50 balais, à peu près. Oui, j'arrive. T'as bien dormi? T'en veux un? Non, non, j'en veux pas. J'ai des nouvelles intéressantes pour toi. T'étais où, Tess? Dans le quartier ouest.
On avait une livraison à faire. Oui. On avait une livraison à faire. Ouais. Tu voulais rester seul, tu te souviens? Alors attends, laisse-moi deviner. L'échange a mal tourné et le client s'est barré avec notre câble. Est-ce que je me trompe? L'échange s'est très bien passé. On a assez de cartes de rationnement pour 2 mois. Facile. Tu veux bien m'expliquer? J'étais sur le chemin du retour et je me suis fait attaquer par ces 2 connards, ok? Ouais, petit je me crénère. Suis pris quelques coups, mais... Écoute, je suis en vie. Donne-moi ça. Et alors, ces connards, ils sont toujours en vie? T'es marrant. Tu sais qui c'était, au moins. Bon, écoute, c'était personne, ces types, on s'en fout. Et ce qui compte, c'est que c'est Robert qui les a envoyés. Robert? Notre Robert. Ouais, il sait qu'on le cherche. Il s'imagine qu'il va nous avoir en premier. Oh, le fils de pute, il est malin. Non. Il est pas assez malin. Je sais où il se cache. Ça m'aurait étonné. Le vieil entrepôt de la zone 5. Mais j'ignore pour combien de temps. Eh ben, je suis prêt maintenant. Bon, on va le fumer. Oh, ça va. On va fumer Robert. Je vous le dis, je me souviens plus du tout du jeu. Ne me demandez rien. Le poste 5 est ouvert. On n'a que quelques heures avant le couvre-feu. On ferait bien de se manier. Je sors à poil, sans armes et tout. D'accord. T'es sérieuse ? En plus, il faut que je marche. J'ai les foutus papiers ce matin. Salut. J'ai été choisie pour travailler hors de la zone. C'est vraiment n'importe quoi. C'est le boulot des soldats d'aller dehors. Faudrait appeler le service des éboueurs. Attention. Tout citoyen doit être muni en permanence d'une identification valide et obéir à tout le personnel de la ville. Oui, regarde monsieur. Ça. Le rationnement n'est pas encore ouvert. On doit encore manquer de provisions. Des grands malades. On a une clé. Non, je suis pas infectée. Venez là. Il se trompe. Allez. Le scanner se trompe. Pitié. Que l'euthanasie? Ah ouais. Ça veut dire qu'il y en a encore qui sortent de la zone. Ça rigole pas, hein. Nous ai eu de nouveaux papiers. On ne devrait pas avoir de problème là-haut. Surtout reste cool. C'est cool, bébé. Je dirais bye bye. Faut aller où? Faut que tu t'arrêtes. Elle est buggée ou quoi? Mais qu'est-ce qu'elle fait? J'ai pas d'objectif. Ils les ont lâchés. Toutes les fois. Ouais. On m'a dit qu'ils les avaient alignés dans la rue. Vous l'avez par là, je pense. Bonjour monsieur l'agent. Ah, c'est par là. Ma journée. Bon squat. C'est bon, vous pouvez passer. Merci monsieur. Oh putain. Oh, je me suis effrayé. Mais c'est des malades. Joël, on y va.
et tu sprintes, sprintes, sprintes pour sauver ta life. Attention, le poste de contrôle 5 est fermé jusqu'à nouvel ordre. Tous les civils ont l'obligation d'évacuer les gens. Mais c'est des malades. Ça aurait été trop beau. Ils ont niqué notre plan là. Installe-toi, ok. Qu'est-ce que j'ai? Soignez vos blessures avec un medikit. Utilisez un kit médical pour lui temps. Assurez-vous d'être blessure. Flèche du haut et R2. Flèche du haut. R2. Et voilà, j'ai un beau bandage. Il va falloir qu'on fasse le tour par l'extérieur. Par l'extérieur. Ou alors, on laisse Robert s'en tirer. C'est ça. Et Tess, t'as vu ce bordel? C'est qui lui? J'y étais. Pose ton cul là, tu veux quoi toi? Dans le tunnel est. RAS, j'y suis passé. Aucune patrouille. Où est-ce que vous allez? On va rendre visite à Robert. Dans la chatte à ta mère. Qui d'autre s'intéresse à lui? Marlène. Elle se renseigne à droite à gauche pour le trouver. Marlène? Pourquoi les Lucioles voudraient trouver Robert? Elle m'a rien dit. Bon, et qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité, je sais pas où il se planque. Bien joué. Évite de t'attirer des ennuis, d'accord? L'armée va bientôt débarquer en force. Ouais, à plus tard. Toi, ça me gave quoi, les bonhommes vont moins vite que moi et que je leur rentre dedans. Ça, c'est un petit truc un petit peu. Qui cherche Robert? Qu'est-ce que t'en penses? J'aime pas ça. On ferait bien de le retrouver avant les Lucioles. C'est Roby. Par là? Hello! C'est nous. C'est joli chez vous. Salut les gars, comment ça va? Ça commence à être le bordel dehors. Comment ça se passe ici? Ah, c'est calme. Aucun signe de soldats ou d'infectés. Ça fait plaisir à entendre. Il est où le tunnel? Ah là. Ah bah oui, ça se voit. Joël, tu peux m'aider à pousser ça? Non. Tu sais pas pousser un meuble? Faites attention à vous là-bas. Hop là. Ah, ça rend triste. Il devrait vraiment faire gaffe à ce qu'il jette ici. Niveau lumière, merci. Sympa l'endroit. Allons prendre notre matos. C'est cosy, c'est mignon. Oh, on peut trottiner, c'est bien. Hop là. Du matos, qu'est-ce que j'ai comme matos? Kalachnikov. Nos sacs sont là depuis la dernière fois. Ah, bah j'ai un flingue. C'est déjà ça? Pas beaucoup de munitions. Bah ça. Ne gaspille pas alors. Pourquoi la lampe de poche, je la prends pas? Ah, si, je voulais dire. Et voilà. Ok, le Texan. Fais-moi grimper. Comment je range l'arme? Le Texan, elle m'a appelé. Comme ça, voilà, ok. Ouais. Vas-y, ramène ton boule. Là, elle va me soulever en Paris? D'accord, ouais, allez. Tu me soulèves comme ça, ouais. Bah ouais, je veux bien, mais Ah, voilà. En vrai, elle serait tombée... elle serait craquée la nuque comme ça. Allez, bouge ton boule. Sois prudente. Je le suis toujours, non? C'est une question piège. C'est cosy ici. Alors bon, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup fouiller, donc vous m'excuserez. Bon, on sait jamais si je trouve des munitions ou quelque chose. Hein, je suis pas contre. Ah, je peux pas courir là, je suis obligé de marcher. Ça fait chier par contre. Je suis tout cassé. Hein. Elle est où l'échelle? Elle doit être quelque part dans le coin. Ouais, faut que je trouve l'échelle. Bah, elle est là. J'ai trouvé l'échelle. Je l'ai. Super, apporte-la ici. T'as ton chien ou quoi? Initiation débloquée. Appuyez sur pause.
Ah, c'est ça? C'est quoi cette initiation? Ah, ok. Ah, c'est pour expliquer, d'accord, mais on bat les couilles. Tu vas la mettre où? Ah là. Et voilà! Une belle échelle toute neuve. Honneur aux dames. Dame? Tu dois me confondre avec quelqu'un d'autre. Tout est relatif. Par ici. Rien qui traîne ici. Ah. Un truc qui brille, c'est bon signe. C'est quoi? Pendentifs et lucioles pour consulter. David, Michael, Vigile. Ouais, et... D'accord. Je suppose qu'il y a un certain nombre à trouver dans le jeu, je pense. Faut descendre par là. Bah, j'arrive. Tu crois que Robert a toujours nos armes? J'espère. Pour son bien. Une fois qu'on aura notre marchandise, on devrait pouvoir l'écouler facilement. En parlant de marchandises, quand est la prochaine livraison? Ben, on voit Bill le mois prochain. A priori, on aura des médicaments et des tonnes de munitions. Attends, des sports. Ah. Vas-y, je te suis. Ah, faut que je passe devant? Eh merde. S'il y a des sports, c'est qu'il y a des claqueurs. Putain, mais d'où est-ce qu'elles sortent? Il n'y avait rien la dernière fois. Elles proviennent forcément de quelque chose. Sauf bah, logique. On voyait les cool. En mode Sam Fisher. Voilà ce qu'on cherchait. Oh. Le corps n'est pas très vieux. On ferait mieux d'ouvrir l'œil et de tendre l'oreille. Aïe, aïe, aïe. Oh, il y en a un deuxième. On devrait pouvoir passer par là. Mais il est con, quoi. Ça va ? Ouais. Le plafond est un vrai gruyère. Attention. Par ici. Doucement. Putain ! Attention, attention. Aidez-moi. Non. Mon masque a pété. Ne me laissez pas muter. Pitié. Tu veux faire? En route. Au moins il mutera pas. J'accélère à sa requête. J'ai achevé ses blessures. Mais putain, même pour un vieux jeu, enfin un vieux jeu entre guillemets, putain, il est super bien fait. Hein. Il y a le trou de la balle et tout. Excuse-moi, frère. Franchement, excuse-moi. Je suis désolé pour toi, Rouya. Ok, là, y'a rien. Là. Y'a rien non plus. Là, y'a pas genre des balles qui traînent là? Parce que moi, niveau balles, je suis un peu sec. Oh non! Tu veux qu'on s'y prenne comment? Discretos. J'ai que 5 balles, faut pas les gaspiller. Faut monter ou il faut finir en bas?
des balles. C'est tendu là. Il y a un truc, je crois, là, non ? Il y a vu la règle. Plein. Ah, c'est de la vie. Soyons discrets. Ne faisons pas de bruit. Pas de gestes brusques. Tout se passe bien. Et on est... On est dehors ? Oh, la musique est fait stresser. Il y a des balles ici. Il y a un mot. Notre frère, ça te dit quoi ça? Oh bah les couilles. Désinfecter, essaie de s'infiltrer dans la zone. Elles sont juste en dessous. Ils bouffent les petits bâtards. C'est bon, on est dehors. Ouh, on a survécu. Bon, on les a tous eus. Oh, mamma mia. J'espère bien. Je recharge mon arme. J'ai mes 8 balles dans le chargeur. Allez, voilà. On retourne en ville. On patouche dans la merde, on aime bien. Enfin, un peu d'air frais. Y'a pas des balles ? Y'a bien une chose que j'aime ici. Putain, vas-y, je suis sec de munitions là. T'auras qu'à demander du désodorisant à Bill. Hey, ce serait une bonne idée s'ils étaient pas tous périmés. Bah ouais, on survit au coronavirus. Y'a des infectés partout, on va tous mourir. Salut à toi, ça va ? Ils sont tous infectés là, et ils veulent me tuer. Ils veulent me donner le coronavirus. J'espère que ça va bien, la forme. Ça... Ouais, ça va, tranquillement. Comme un dimanche, j'ai envie de te dire. La planche est tombée. Le dimanche, c'est toujours cool. Sauf en ce moment, en France et dans le monde, c'est un peu la merde, mais... Ouais, j'y vais. On survit comme on peut, hein. Ah, attends. Ah, il faut que je descende, c'est vrai. Faut que je cherche la planche, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Alors si je me trompe pas, il va y avoir des emmerdes ici. Là ça pue les emmerdes, là, je le sens venir gros comme une maison. Il suffit de suivre les protocoles de sécurité, genre bien se laver les mains et tout. Ouais, bah ça... Je crois qu'on n'a pas attendu le coronavirus pour se laver les mains, quoi. C'est un peu lourd. Mais c'est un peu nimp leur truc. On va tous mourir. Allez, écoutez, on va tous crever. Moi, je suppose que t'as déjà fait The Last of Us. Hein. Je pense que tu connais le jeu. Comment tu t'appelles ? Atan. Et moi, comment je monte ? Ramène tes fesses, on y va. Quelle bah, opportunité. Ouais, mais comment je remonte ? Oui, je connais. Ah, tu l'as déjà fait, ouais. Bon, on attend le numéro 2 avec impatience. Hein. Comment je remonte? Je me rappelle plus. Comme ça? Ouais, comme ça. Ah, voilà. Je suppose que ça a précommandé le 2, hein. Je suppose. J'espère qu'il sera aussi bien que le 1. En savoir un peu plus sur ce qui s'est passé. Hop là. Assurons-nous qu'il n'y a pas de soldats ici. Et si tu veux survivre au coronavirus, n'oublie pas de follow la chaîne aussi. Voilà. C'est de la propagande autant... vraiment... Ouais, moi aussi, j'ai envie de savoir un petit peu ce qui se passe. En fait, dans le 2, j'ai surtout envie de savoir ce que Joel est devenu, en fait. Puisque dans les trailers, on voit Ellie tout le temps, mais Joel, on le voit jamais. J'aimerais beaucoup savoir ce que Joel devient. Parce que déjà là, il doit avoir une cinquantaine d'années, à peu près. Donc, dans le 2, il doit avoir au moins 60 ans.
Minimum. Peut-être qu'il est mort après, on sait pas. Hein. Ah, merci du follow, c'est gentil. Tu vas survivre au coronavirus. Tu ne seras pas infecté. Et tu ne deviendras pas un claqueur. Oh, des munitions! Ah, ça, ça fait plaisir. Bon, c'est quoi un petit peu tes attentes du 2? Qu'est-ce que tu penses qu'il y aura dans le 2? Hey, petit. Ah, salut gamin. Regarde si la voie est libre. Ouvre la porte ou je te bute. Pas de soldat, pas d'homme de Robert, ok? T'as pas vu les trailers? J'ai pas vu tous les trailers, pourquoi? Tu sais qu'il nous attend. Qu'est-ce que tu... Eh ben, ce sera plus intéressant. Qu'est-ce que tu vas me dire? Me spoil pas, par contre. Me spoil pas, s'il te plaît. Me spoil pas trop. Parce que des fois, les trailers, ils spoilent un peu. C'est un peu casse-couille. Hey, ma belle, comment ça va aujourd'hui? Paris, pas mal de Terence. Non, c'est bon, j'ai... Oh, je suis où, là? Non, t'as compris. Ok. Oh, je suis où, là? What the fuck? Non, pas de spoil, t'inquiète. Ah, cool. Pourquoi dans un trailer on voit Joël dans un trailer? Oula. Si tu touches, tu payes. Ta gueule, je t'abatte, mec. Ça faisait un bail. Ah, y'a de la bagarre. Oh, le crochet du droit que t'as pris, mec. Oh, vas-y, casse-lui la gueule. Oh. Déboîte-lui sa mère, il lui a dit. Oui, on le voit. Ah, on le voit. Mais genre, on le voit très vieux ou blessé ou on le voit comment en fait? Où il fait la gueule à Ellie? Parce qu'apparemment, ils se sont séparés. Voilà, machette sa mère. C'est macheté, les mecs. Y'a pas des balles là-bas? Ah non, je croyais. C'est un caddie. Salut! On le voit assez vieux. Ouais, donc c'est ça, il doit avoir une soixantaine d'années, je pense. Il y a une demi-heure. Il est retourné au quai. Il y a encore. C'est comme dit. Au début du jeu, sa fille a 12 ans quand elle meurt. Donc lui, il doit avoir, allez hop, on va dire 30 ans au moins. Parce que si je pense qu'il est là, ça fait qu'il l'a eu à 18 ans. Il doit avoir 30 ans au moins. Et là, on est 20 ans après. Donc ouais, il doit avoir 50 ans là. Et après The Last of Us 2, je sais pas combien de temps il se passe après celui-là. Si c'est 10 ans, 15 ans, 20 ans, 5 ans, je sais pas du tout. Ah, y'a pas d'avoir un gunfight ici? C'est parti. Si. Ça pue la merde. Hop. Faut qu'on passe. Ah, y'a un bug de parole là. On vous fera pas de mal. Résiste Robert. Ne faites pas ça. Oh, y'a un bug. Oh non, dommage. Hors de question que je parte sans Robert. Qu'est-ce qu'il veut le gras là? Dégage, hey, mec. Je vais vous défoncer le crâne. Si vous dégagez, c'est Planquez-vous. Oh, il a mis un de ses headshots. Elle l'a décoiffé. Oh, bien joué. Mais il est pas mort lui! Crève! Bien joué, ça. T'es pas le seul qui a ce bug. Ah, ok. Toi aussi. Mais j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Comment il a fait pour tous les rameuter? Je l'ai déglingué sa race. Allons y mettre. Oh, il a pris sévère lui. Mais donnez-moi des balles, non? Je sais pas, leurs flingues ils sont où? On peut pas passer par là. Hey, aide-moi à monter. Mais tu l'as fait sur PS4 aussi ou tu l'as fait que sur Play 3? Parce que moi je l'avais fait sur Play 3 à l'époque, donc je me souviens plus trop du jeu. On sait que c'est un peu une redécouverte, c'est cool. Fais-moi monter. Donne-moi ta main et prends la mienne. Putain, mais c'est Hulk la meuf. Sur Play 3, ah ouais, comme moi, donc ouais, ça date quoi. Je sais même pas, il a quoi? Il a 10 ans ce jeu, je crois, non? Il a pas 10 ans, un truc comme ça? Je me souviens plus trop de. Je me souviens plus de quelle année il est sorti. Mais je crois que c'est sur la fin de la Play 3 qu'il est sorti.
Par ici, Joël. Mais après, j'ai assisté à beaucoup de streams, donc... Ah, ok. Donc tu kiffes vraiment ce jeu, quoi. T'es in love de l'univers The Last of Us. Encore des gars de Robert. En plus, là, HBO, ils ont dit qu'ils vont faire une série, là. Deux de nos gars sont morts en essayant de buter Tess. Je te garantis qu'elle et Joël à son chemin pour choper Robert. Putain. On y va, on se crête. On n'a pas le choix. Séparons-nous pour s'assurer que personne ne rôde ici. Oh, le but ? Oh, bien joué, ça. Ouais, ouais, y a une série HBO qui va sortir. Par les créateurs de... Je sais plus par les créateurs de qui. Ah, tu es très fan des survival horror. Ah, ok, d'accord. Ah, donc t'es content que... Resident Evil 3 Remake va sortir, là, alors. C'est un jeu que t'attends, je pense, du coup. Ben j'aurais bien voulu prendre le collector, mais il est trop cher. Prends celui que tu veux, je m'occupe de l'autre. J'ai un cousin avec eux. Je lui défonçais sa mère. Allez, on fouille le coin. Peut prendre de la vie. Et voilà. Y a pas des balles qui traînent là? Je serais pas. Oh, y a un truc là. Allons. Bah t'as fait le 2 je pense aussi. T'as fait Resident Evil 2 je pense en remake. Il était génial. Dire qu'à l'époque je l'ai fait sur Play 1 celui-là. Ouais. Tu l'as pris quoi? Tu l'as pris en version normale ou tu l'as pris en collector? Ce collector il est beau. Hey, on a consolidé les caisses dans l'entrepôt sud. Tout est sous clé. Bien, on jette un dernier coup d'œil et on s'en va. Ce sera bientôt l'heure du couvre-feu. Et Robert, alors? Il se planque chez qui cette nuit? Il est trop parano pour rester ici tout seul. J'en sais rien. On verra avec les autres et on trouvera bien un truc. D'accord. Hey, j'ai entendu du bruit. Merde. Viens ici, mon petit. En collector, c'était obligé. Ah, tu l'as en collector, putain, la chance. Moi, j'aurais bien voulu, mais j'avais pas trop les moyens à ce moment-là, quoi. Ils ont abusé sur le prix. 250, non? Tu l'as payé un truc comme ça. 200, un truc comme ça, je sais plus combien il coûtait. Parce que là, celui avec Jill Valentine, il est cher aussi, hein. Lui aussi à 230 ou 250, truc comme ça, je crois. Oh, il y a du monde. On va prendre de la hauteur. Ouais, mais ça va le coup. Ouais, mais tu m'étonnes. Il doit être tellement beau, le lion. Bah, je pense que je trouverai déjà en occasion, tu vois. Parce que j'ai hâte de l'avoir en occasion. Garde ton sang-froid, l'ami. Respire un peu.
Ta gueule. Du coup, tu prends le 3 en collector aussi, je pense, alors. Pas mal. Oui, ah ok, donc tu l'as précommandé alors. Mais je crois que là il n'y a plus, je crois que les en rupture de stock, je crois les précommandes là, non? Oh, un couteau. Ouais. Ça c'est bon ça. Comment on fait l'inventaire? Ah, comme ça. On va essayer d'en attirer un ici. T'as entendu? Fais attention! Voilà. Mais avance! Oh, je l'ai raté, la honte. Par le flanc. Pouah, dans ta gueule, mon pote. Il est où l'autre? Il m'en manquait un. Là. Oh, fils de pute. Wouh, c'était un petit peu tendu, là. J'ai fait un peu de la merde. On aurait dû emmener d'autres gars avec nous. Ouais, je lui ai troué la tête. Ah, t'as, je lui ai niqué le bonnet. Bien. Qui sont par là. Attends, je prends de la vie, meuf. J'ai que ça comme vie. Bon, bah, on va garder alors. On va garder pour l'instant. Y'a rien qui traîne là. Y'a pas un peu de truc qui traîne, un peu de vie, quelque chose. Et du coup, c'est quoi tes attentes alors pour The Last of Us 2? Parce que j'ai posé la question, t'as pas répondu, je crois. Qu'est-ce que t'attends pour The Last of Us? Qu'est-ce que tu présumes? Ouais, pour un jeu PS3, il est vachement beau, ouais. C'est lui ma cible. Il y a un peu de monde, là, hein. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, j'ai cru qu'il allait se mettre à couvert, comme ça à découvert. Ouais, bah on a perdu nos comptes. Même chose au sud. Bon. Je sais même pas s'il reste quelqu'un pour confronter les trucs. Du coup, on doit prendre ces boulots pourris de garde du corps. C'est pour pouvoir être en mer très bien posé. Il faut qu'on réfléchisse. Ils sont nombreux. On va essayer de s'infiltrer. Tais-toi, mec. Mes attentes, j'espère juste que le jeu m'impressionne niveau histoire. Ah ouais, mais ça, je pense. Je pense que le jeu va être impressionnant. Mais j'espère qu'on aura des références au 1 aussi, et au DLC. Puisque là, tout le monde est en mode « Oh là là, Ellie est homosexuelle, oh mon dieu !» J'ai envie de dire, mais fermez vos gueules, quoi. On le sait depuis le DLC, machin, avec la Black, là, qu'elle est lesbienne. C'est bon, quoi. Genre, ça allait changer, tu sais.
Oh là 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 là. Écoute bien. Oh, comme je l'ai niqué lui. Bah moi ça me dérange pas du tout non plus hein. Mais c'est juste sur Twitter là, ils font les mecs un petit peu oh là là mon dieu. Elle est homosexuelle, c'est grave. Oups. Par le côté. Comment j'esquive? C'est qui me tire dessus là? Connard, va. Bon, je me soigne. Non mais tu sais, à l'époque où on vit, les gens, dès qu'il y a un personnage un petit peu qui sort du lot, oh là là mon dieu, il est pas comme ci, il est pas comme ça. Bah, je trouve ça intéressant après, voilà. Chacun son truc après. Robert a dû s'y réfugier. On y va. Putain, j'étais presque arrivé, putain, je me suis fait repérer quoi. Robert! Parler, Robert. On a rien du tout à se dire, putain. Baisse ton arme. Oh. C'est original. Ouais, bah oui. Après, c'est vrai que c'est surprenant. Quand tu fais le DLC, je pense que t'as fait les DLC, mais quand tu fais les DLC, ouais, c'est surprenant, quoi. Si je me trompe pas, elle meurt, sa pote. Dans le DLC, elle meurt, je crois. Robert! Bah alors, Robert? Tu veux pas discuter? Attends un peu. Ouh là, il y a un peu trop de lumière là. On va le mettre celui-là. Sans rancune, pas vrai? Exactement. Voilà, un peu plus de lumière. Ok. Oh putain! Ouh! Il a perdu un tibia dans l'histoire. Écoutez, lui, elle meurt. Elle se fait mordre par un claqueur, non, je crois. Les armes. Tu veux nous dire où sont les armes? Ouais, bien sûr. C'est compliqué. D'accord. Triste moment. Bah oui. Bon, écoutez, je vais si, tu savais le nombre de fois où j'ai pleuré sur les jeux vidéo, moi. Actuellement, je suis en train de refaire Life is Strange 2. Je chiale comme une madeleine dessus. Arrête de gigoter. Tu disais. Je les ai vendus. Quoi? Nos armes. Tu les as vendues. Excuse-moi. J'avais pas le choix. Je m'étais engagé. Envers nous. Mais t'as misé sur le mauvais cheval. Il me faut juste un peu de temps. Laissez-moi une semaine. Non, le tue. C'est peut-être ce que j'aurais fait si t'avais pas essayé de me tuer. Allez, qui a nos armes? Je peux pas. Donnez-moi juste quelques jours. Qui a nos armes? Oh, il vient de péter le coude. C'est les Lucioles. Aïe. Quoi? Écoutez, ils sont presque tous morts. On a qu'à y aller et finir le boulot. On récupère les armes. Qu'est-ce que vous en dites? Non, on le tue. Allez, aucune pitié. On va les chercher. C'est vraiment une idée de merde. Pourquoi t'as tiré deux balles? On a déjà pas de cartouches, pour ça on va tuer deux, une suffisait. On va récupérer notre marchandise. Ou au pire, tu lui craques la nuque. On peut leur expliquer. N'importe quoi. Écoute, allons voir une Luciole. Oh, t'as gaspillé deux balles. Eh ben voilà. La reine.
Pourquoi vous êtes là? Pour affaire. T'as pas l'air très en forme. Elle a pris une bastos. Oui, Robert. Cave, c'est une gaspilleuse. Il me le fallait vivant. Les armes qu'il t'a données, elles n'étaient pas à lui. J'en ai besoin. Ça marche pas comme ça, Tess. Ça m'aurait étonné. J'ai payé pour ces armes. Vous voulez les récupérer? Faut les mériter. De combien de cartes t'as besoin? Rien à faire des cartes de rationnement. J'ai quelque chose à faire sortir de la ville. Ah! C'est Ellie. Elle parle de Ellie, non? Comment être sûr que tu les as? D'après ce que je sais, l'armée vous a décimé. T'as raison là-dessus. Je peux vous montrer les armes. Oh merde! Je dois y aller. Vous en dites quoi? Je veux voir ces armes. Suivez-moi. On y va. T'as de quelle région de France? On doit partir d'ici. Moi je suis de la région Grand Est. Plus précisément en Alsace. Et toi? Tu viens d'où? C'est par là. Comme ça si je sors des mots incompréhensibles, c'est normal hein. C'est mon petit patois qui ressort. Vas-y, monte. Je ne suis pas de France. Ah, t'es pas français? Tu nous viens d'où alors? Là, je suis regardé à l'international. Oh là là! Bienvenue à la personne supplémentaire dans le live. Je vois que le chiffre a augmenté. Donc, bienvenue à la personne qui s'est rajoutée. Bienvenue à elle. Tu me croiras jamais. Vas-y, dis-moi, tu viens d'où? De Mars? Je suis dans le... What? Bordel de merde. Tu viens de l'espace? On est Luciole? Ce qu'il en reste. Pourquoi tu crois que je vous demande de l'aide? Par ici. Madagascar! Ah ouais, putain, classe! Pourquoi maintenant? On s'est fait discret. Ah ouais! On pensait quitter la ville, mais il faut des bouquins. C'est pas à côté, Madagascar, c'est au sud de l'Afrique, ça, non? C'est vrai qu'ils l'ont fait. On essaie simplement de se défendre. C'est une île? Au sud de l'Afrique, non? Putain, classe, Madagascar! Au sud-est, ouais. Et du coup, il est quelle heure chez toi alors? C'est le matin, c'est l'après-midi, c'est le soir? Hé, hey, tu tiens le coup? Ça ira. Il y a seulement 2 heures de décalage. Ah, mais ça va alors. En plus ou en moins? Il est 19h21. Ah, ok, d'accord. Bah, chez nous, il est 17h21. Donc, t'as 2 heures de plus. D'accord. Stop. Des soldats. C'est cool, ça. La porte sous le pont. Je suis pas très fan de ces trucs. On peut se faufiler dehors. Même si je sais que c'est pas votre style. On verra ce qui se passe. Allez, on y va. On doit atteindre cette porte. Ok. Il y a combien d'ennemis? Il y en a 2, non, j'ai vu. Ah, il faut passer par en haut. Tu dis, tiens, t'allais pas. Ah non, ouais, non. J'ai pas beaucoup de viewers qui viennent de Madagascar, ça c'est sûr. Mais c'est sympa. Ça montre que... Faites le tour pour l'autre. Faites beau rêve, ma biche. Et voilà, ça c'est fait. J'ai pas fait de bruit là, qu'est-ce que tu me racontes? Moi, je suis le maître de l'infiltration, moi. Je suis Sam Fisher, mec. Je suis Solid Snake.
Oh, y a un mec là. Ils sont en force aujourd'hui. Il y a pas un deuxième avant là ? Oh, en un coup, je l'ai cassé ? Bon débarras. Il est seul, lui ? Apparemment. Aïe ! Mais pourquoi je peux pas esquiver, là ? Nique ta mère! Putain, je l'avais pas vu le deuxième. Putain, je suis vraiment aveugle. Ah, comment j'ai déconné. Oh, ils les ont tués! Oh, les bâtards! Putain, ils ont eu Warren. Ouah, ils les ont achevés. Oh, les enculés! Ah, ils méritaient la mort. On devrait y aller, Marlène. Il y aura sûrement d'autres soldats en chemin. Ils méritaient de mourir pour ce qu'ils ont fait. Toi, tu mériterais que je t'achève, toi. Enculé, va. Putain, mais par contre, mon suret s'est cassé en un coup. Je suis deg. Ça rend un suret en plastique. Toi, t'as trop fait le malin, toi, frère. Oh, oh, je lui ai arraché l'œil. Tu es un tireur d'élite. Je lui ai crevé l'œil. Excuse-moi, frère. Il y a encore les ennemis ? Non, je pense pas. Hein. Ah, bah non. Y'a rien là ? Non. Les ruins se cassent facilement, mais les surintiens. Ah, ouais, ouais. Je peux les améliorer, je crois. Je peux les améliorer, je pense, ouais, effectivement, ouais. Bien joué, les filles. Moi j'ai servi à rien, moi. Où va Marlène ? Elle est en train de crever, elle. Par ici. On est plus très loin. Mais je crois qu'il faut trouver des établis, un truc comme ça, non ? Juste les crafter. Ah, ok, d'accord. Comment tu te sens ? Plus pour longtemps. Mais ça va aller. Parce qu'après, il y a des améliorations possibles, je crois, non ? Sur les établis, là, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Quiconque sera surpris dehors sans autorisation sera arrêté et traduit en justice. S'en bat les couilles. C'est quoi la marchandise ? Je vous montrerai. C'est une petite fille. Pour les armes à feu, oui, il y a des... Ah, voilà. Après, il n'y a pas beaucoup d'armes, je crois. Il y en a quoi, 5-6 différentes, non ? Joël, donne-moi un coup de main. Mais tu sais pas ouvrir une porte ou quoi ? Meurs pas. Relève-toi. T'approche pas d'elle ! Lâche-la. Oh, salut Ellie. Dis donc, tu les recrutes pas un peu jeune ? C'est pas une luciole. Oh, merde ! Qu'est-ce qui s'est passé ? T'inquiète pas, rien de grave. Bah, elle a pris une balle. J'ai trouvé de l'aide. Et ce sera sans moi. Dans ce cas, je reste. Ellie, c'est notre seule chance. Et c'est elle qu'on fait sortir ? Un groupe de lucioles vous retrouvera au Capitole. C'est pas vraiment la porte à côté. Vous pouvez le faire. Vous la déposez et à votre retour, vous aurez vos armes. Mais tu seras morte. Robert m'a vendu. Puisqu'on en parle, elles sont où ? Tu seras morte. À notre camp. Putain, je suis malade. On fera rien. Toi, qu'est-ce que t'es malade ? Tu vis au soleil et t'es malade ? Comment c'est possible ça ? Tu pourras acheter un œil aux armes et je pourrai me faire soigner. Mais pas question qu'elle traverse ce coin de la ville. Joël restera avec elle. Attends, je pense pas que ce soit une bonne idée. Avec lui. Parle bien, Ellie. J'étais amie avec son frère Tommy. Il m'a dit qu'en cas d'ennui, je pourrais compter sur lui. Intersaison ? C'est quoi ça ? Ou après qu'il quitte ta milice ? Il t'a quitté aussi.
C'était un type bien. T'as qu'à l'emmener au tunnel nord et attendez-moi là-bas. C'est pas vrai. C'est une marchandise, Joël. Marlène. Assez discuté. Tout ira bien. Elle va mourir, wesh, la noire. Maintenant, suis-le. Dépêche-toi. Et toi, ne t'éloigne pas. Allez. Ouais, on est avec Ellie, ça y est. C'est le changement de saison, il faut savoir qu'il n'y a que deux saisons chez nous. Ah ok, il n'y a que deux saisons chez nous, je suis même à 4. Il y a encore des fois on se pose des questions. Oh, j'ai wow. Entendu les tirs, mais... Ah, ils ont mangé sévère, eux. C'était quoi? Les Lucioles. Il va nous arriver la même chose si on ne quitte pas la rue. Ils se font abattre les uns après les autres. Ouais, je te suis... Je sais plus où il faut aller. Ah là. Viens, Ellie. Par Ellie, c'est Moon. Lol. J'ai plein de messages. Qu'est-ce qui se passe là? Baisse-toi, il y a un camion. Double 07 en infiltration. Du coup, vous avez quoi? Vous avez l'hiver et l'été, quoi. En gros, c'est ça. Où est-ce qu'on va? Là-haut. On pourra atteindre le tunnel nord. Comment tu veux qu'on grimpe là-haut? Ouais. Donne-moi une minute. Ben nous en ce moment en France c'est le bordel avec ce virus de merde. Pfff. Ils interdisent tout, on peut même plus faire du foot. C'est n'importe quoi. Là je suis éboueur. Ah donc là vous rentrez dans l'été alors. Amène-toi. C'est quand tu veux, Ellie. Hein. Dépêche-toi, je t'abats. Bah, elle monte pas. Faut que je l'aide. Mais pourquoi elle vient pas? Mais viens. Ah, me suis, d'accord. Ce tunnel, il fait du trafic dedans? Oui. Des trucs illégaux? Parfois. Et une gamine, ça se fait? Non, c'est une première. Il se passe quoi entre toi et Marlène, au juste? J'en sais rien. Je suppose qu'on est amis. Amis? Alors comme ça, t'es amie avec le chef des Lucioles. Alors que t'as quoi, 12 ans? Elle connaissait ma mère et elle a veillé sur moi. Et j'ai 14 ans, même si je vois pas trop le rapport. Et tes parents, ils sont où? C'est comme pour tout le monde. Ça fait un bail qui... Bah, tu parles bien français, tu parles même très bien français. Alors, au lieu d'aller sagement à l'école, tu décides de t'enfuir et de... Pourquoi vous parlez quelle langue à Madagascar? Je peux pas te dire pourquoi je dois sortir d'ici, si c'est ce que tu veux savoir. Tu sais ce que je préfère dans mon boulot? J'ai pas besoin de raison. J'en ai rien à cirer de ce que vous préparez, toi et tes potes. Tant mieux. Bien. Le malgache, c'est à Madagascar, d'accord, ok. Ah, je suis pas trop calé en langue étrangère. C'est, moi, je parle que le français, je parle pas l'anglais, je parle pas l'allemand, je parle rien du tout. Malheureusement. Qu'est-ce que tu fais? Je fais une sieste. J'ai tué le temps. Et je suis censé faire quoi, moi? Je suis sûr que tu vas trouver un truc.
Ta montre est cassée. Je sais. T'as parlé en dormant. J'ai horreur des cauchemars. Bah il pleut maintenant. Ouais, moi aussi. Tu sais, j'ai jamais été aussi proche de l'extérieur. Il fait tellement noir. Mais t'as appris comment le français, du coup ? Ça peut pas être pire dehors. Si tu parles malgache, comment t'as appris le français ? Pas vrai. Qu'est-ce que les Lucioles te veulent, au juste ? Hé, hey, désolée d'avoir été si longue. Il y avait des soldats partout. Comment va Marlène ? Elle va s'en tirer. J'ai vu la marchandise, c'est énorme. T'es prêt ? Ouais. Allons-y. Ah ok, d'accord. Ah, vous apprenez le français à l'école chez vous. D'accord, ok. Ça, c'est cool. Je trouve pas ça bizarre qu'il nous confie cette mission. Marlène voulait le faire. Après, même. Le français, c'est dur hein, comme langue. C'est pas évident. Ni même le deuxième. Mais tu t'en sors bien. Elle a perdu beaucoup d'hommes. Elle a pris ce qu'il reste. Ouais, espérons qu'il reste quelqu'un pour nous payer. Il y aura forcément quelqu'un. Allez. C'est compliqué, oui. Ouais, je sais. On n'a pas la langue la plus facile. Même en France, on n'est pas capable de parler le français comme il faut. Ah, c'est triangle. C'est discret, hein. Qui nous attend au point de rendez-vous ? Elle a dit que des Lucioles avaient fait le voyage depuis notre ville. La fille doit être importante. C'est quoi ton problème ? La fille d'une huile ou un truc dans le genre ? Ouais, un truc comme ça. Ça va être encore long. Si tout se passe bien, on devrait te livrer à eux d'ici quelques heures. Ellie, une fois sortie, tu feras tout ce qu'on te dit. Et tu resteras près de nous. Ouais, pas de problème. Ouais, une feuille. C'est quoi ? Oh ! C'est quoi ? Carte des itinéraires de patrouille hors de la zone ? Eh, génial ! C'est pareil, ici à Mada, on parle mal le malgache. Ouais, mais c'est ça qui est toujours drôle. C'est que les pays où on vit, notre langue natale, on parle comme des bites. Et on l'écrit très mal. Alors que les étrangers, ils l'écrivent et ils le parlent très bien. Aucune logique. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Bougez pas, il y a une patrouille. Ouah, il y a plein de gardes. Ça va être la merde là, on va s'infiltrer de ouf là. Ok, c'est bon, montez. J'ai pas beaucoup de munitions en plus. Allez, petite. Fais attention. Lui ne va pas nous aider. Je crois pas. Je suis vraiment dehors. Passer par le camion, je suppose. Ouais, voilà. Par là-haut. T'as les bruits d'eau et tout, ça rend bien faire. Attends, je lis juste après ton message. Calmez, j'appelle le QG. Ok. Les mains sur la tête. Ici Ramirez dans le secteur 12.
Demande un ramassage pour 3 vagabonds. Bien reçu. On peut s'arranger. On a largement de quoi vous payer. La ferme. Ah, c'est sûr, ouais, tu m'étonnes. Quelques minutes. Désolé. Ça part en couille. Oh, merde. Je pensais qu'on allait juste les retarder ou un truc du genre. Bah là, ils sont morts, là. Oh, merde. Regarde. Elle est infectée. C'est pas vrai. Marlène nous a piégés. Pourquoi est-ce qu'on fait sortir une gamine infectée? Je suis pas infectée. Ah non? Et le scanner, alors? Je peux vous expliquer. T'as intérêt à faire vite. Regardez. Je me fous de savoir comment t'as été infectée. Ça date d'il y a 3 semaines. Non, tout le monde se transforme en 2 jours, alors arrête de mentir. Ça fait 3 semaines, je vous jure. Putain, mon visage, il brille, là. Pourquoi est-ce que tu tendrais un piège? Je la crois pas. Elle est immunisée! Merde. Oh oh. Cours. Cours! Debout. Allez, cours! Putain! J'ai 2 soldats morts. Suivez-moi. Vite. Oh oh. On est dans la merde. Ok, quand je te donne le signal, on court. Signal, on court. Figé. Vas-y, cours. T'approche pas de la lumière. Moi, je la suis, hein. Quand je suis accroupi, je peux pas sprinter, c'est chiant. Sinon, il se lève. Ils ont pu réussir à passer. Vérifiez les tranchées. Restez derrière moi. Voilà du coup, ici. On est sûr qu'ils sont passés par là. Attention, faut pas qu'ils nous voient. Allez. On est dans la merde. Oh! Est-ce que je peux passer en dessous de lui? Je pense pas. Et de l'autre côté, il y a quoi? Ok. Pas de barré, frère. C'est chaud, ça brûle. Tu vois quelque chose? Ouais, si, si. C'est comment chez toi? Pour l'instant, c'est bon. Ok. Je sais pas du tout si je suis dans le bon chemin, mais... C'est bon, c'est par là. Ça va être par là, je pense.
Excuse-moi si je réponds pas trop pour l'instant, je me concentre. Parce que je sais pas où il faut aller et en plus je pourrais me faire choper. Non, non, je fais doucement. Je suis habitué aux jeux d'infiltration, mais celui-là c'est un peu plus dur quand même. Parce que le bonhomme il est un peu plus rigide. Oh. Il est où le garde? Il est pas là? Vas-y, on monte alors. Putain, je suis 007, wesh. On peut passer par là. C'est bon, je suis arrivé là? Wesh, je suis un putain de PJM, sa mère. Y'a rien ici qui traîne? Ah yes. Oh, c'est quoi? C'est bon, j'ai réussi. Wouh! Ah bah là par contre je suis un petit peu moins discret là. C'est bon, roulez-vous en dessous là. Ah, y'en aura encore? Ok, d'accord, je reste prudent. Ah oui, effectivement, d'accord. Ok. Donc il y en a un en haut et il y en a 3 en bas. Comment on va faire pour passer? Hop 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 hop. Il y a du monde là. Ça donne quoi? Ils sont trop nombreux. Faut passer par là. Oh 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 oh. Oh putain. Ouais, c'est stressant hein. Hop là. Toi t'es à moi mec. Voilà. On va pas rester ici. On attend l'autre escouade. On a failli y passer, Tess. J'espère que t'en vaut la peine. Wouhou. J'ai réussi là. Putain, mais je suis 007, mec. Je suis James Bond. Par où il faut aller? Oh, j'ai survécu. C'était chaud, hein. Putain, j'ai cru que j'allais me faire repérer. Hein. Ouais, ça doit être ça. J'étais pas rassuré là. Au moins, on n'est pas sous la pluie. Toi, tu l'as fini combien de fois le jeu? Ça donne quoi? Je crois qu'on peut passer par là. Y'a rien qui traîne pour moi. Merci, c'est gentil. Mais après, comme je dis, je suis un très grand fan des jeux d'infiltration. Surtout, je suis un très 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 grand fan de Metal Gear Solid. Donc, à force de jouer à des jeux comme ça, on apprend la patience. Parce que le problème dans l'infiltration, c'est souvent ça, c'est que les gens, ils ont pas de patience en fait.
Déjà moi j'ai pas beaucoup de patience dans la vraie vie. Et pourtant Ok. J'essaye de. Bon, fouiller un petit peu parce que comme il faut des balles et tout dans ce jeu. On est en sécurité ? Non. Ils sont encore dans le coin. Non non, on est dans la merde pour l'instant, Ellie. On est dans la merde. Regarde s'il y a des trucs utiles ici. Bah ouais, y a plein de trucs là. Là, y a plein de pièces. Y a un placard encore. Ouais, moi aussi, hein, je suis pas du tout patient. C'est pour ça les phases d'infiltration. Bah, enfin, je suis pas patient. Dans la vraie vie, je suis pas patient, mais dans les jeux, je sais faire doucement quand il faut. Après, si ça t'intéresse de voir mes précédents lives. Tu peux voir mes précédents lives sur YouTube si tu veux. Il y a le lien dans la description. Tu peux voir tous mes anciens lives si tu le souhaites. Tous les jeux que j'ai fait. Regroupez-vous, il nous rappelle. On retourne tous au mur. Vous avez entendu, on se bouge. Allez. On y arrive. Ah, cinématique. Je peux boire un petit coup comme ça. Ils sont partis. On a réussi. Wouh. Bon. Putain, je suis un putain de guerrier. Imaginons qu'on t'ait livré aux Lucioles comme prévu. Et après ? Marlène, elle a dit que... Ah, pas de soucis, je préfère que tu restes là. Hein. De quarantaine. Avec des docteurs, je préfère que tu règles le live. Tu peux le partager si tu veux le live aussi. N'hésite pas à ramener du monde. Quoi qu'il me soit arrivé, c'est la clé pour trouver un vaccin. Oh, je rêve. C'est ce qu'elle a dit. Oh, mais j'en doute pas. Hé, hey, je t'emmerde, j'ai jamais demandé ça. Moi non plus, Tess. Tu peux me dire ce qu'on fout ici. Et si c'était vrai? J'arrive tant. Mais pense-y. Joël, enfin, maintenant qu'on est là, autant en finir. Tu veux que je te rappelle ce qu'il y a dehors? Bah, il y a des claqueurs. J'ai compris. Allez, suis-les, fais pas le gamin. Par ici. On atteindra le Capitole à l'aube. J'espère. Ah ok, d'accord, ils aiment quoi comme style de jeu? Ils sont plutôt quoi? Ah ok, d'accord, tout ça c'est pas mon délire. Tous les jeux mobiles, j'aime pas ça du tout. Alors c'est à ça que ces immeubles ressemblent de près. Ils sont immenses. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je déteste jouer sur téléphone. Un maximum de bombes autour des zones de quarantaine. Essayez de tuer le plus d'infectés. Ça a marché. Oh oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Tess, on sent ça. Ouais, mais ça venait d'assez loin. On est dans la merde. On est en sécurité ? Pas du tout. Pour l'instant. Allez. On n'est pas du tout en sécurité. Wow. Comment on descend ? Super haut. Bon, voilà le Capitole. Capitole, il est là-bas. On va devoir faire le tour. Passe par là. C'est le centre-ville, ça ? C'est plus qu'un vaste terrain vague. Moi je joue que à la Play, moi. La Play c'est ma console. Je joue qu'à ça. Par ici. Je joue à aucune autre. Après actuellement, pour dire un peu ce que je fais, le vendredi je live. Je stream Life is Strange 2. Tu vois quelque chose, toi? Et le samedi et le dimanche, c'est jeu aléatoire. Et en fait, hier soir, je me suis dit, tiens... Contente-toi de rester avec elle. Enfin, j'ai vu la news
de la série de HBO. Et je me suis dit, tiens, je vais refaire The Last of Us. Je vais me refaire un petit kiff et je vais me refaire le jeu. J'arrive. Du coup, bah, je me refais le jeu. Tout simplement. Ça pue le claqueur ici. C'est des bâtards de mettre des tiroirs vides. Oh, 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 il a mangé sévère. Oh. C'est mauvais signe. Ouais, peut-être bien. Oh là 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 là. Oh, il a mangé mais tellement sévère dans sa gueule. Aïe aïe aïe. Mon ami, toi t'es pas bien. Ouais, 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 ouais. Après, des fois, je fais des streams. Ce qu'on appelle les streams sauvages, des fois en semaine, mais c'est rare. J'essaie de me tenir à un calendrier en fait. Après, si tu veux, tu peux me follow sur Twitter et t'as le calendrier qui est affiché en fait. Et j'essaie de m'y tenir. Là, j'attends Final Fantasy VII Remake aussi, que je vais stream beaucoup. Qui sort en avril, si je me trompe pas. Et en mars, il y a Nioh 2, je crois, qui sort la semaine prochaine. Oh putain. Mais merde, un claqueur. Merde. Eh. Il a son visage. Ça donne ça des animaux. Mais alors, ils sont aveugles. Si on veut. Il se repère au son. Ah ouais, je l'attends aussi. Ouais, moi aussi. Mais j'ai fait le... Sinon, il te repère. J'ai fait le comment on appelle ça? Enfin, je peux monter, j'ai vu aussi. J'ai fait la démo là de Final Fantasy VII. Et franchement, il est génial. Le remake, il est génial. En plus, honte à moi, mais c'est mon premier Final Fantasy. J'ai toujours, enfin, je connais Final Fantasy comme tout le monde, mais j'ai jamais pris le temps d'y jouer en fait. J'ai jamais pris le temps d'y jouer. Et là j'ai fait la démo et putain j'ai kiffé ma race. J'ai adoré la démo. On dirait que tout le bâtiment est sur le point de s'écrouler. Donc j'ai hâte de... d'avoir le jeu complet. Attention à la tête. Wouah! Aucun problème. Le bâtiment il va se casser la gueule avec nous dedans, on va rien comprendre. Ah, je suis full! Comment? Je peux pas créer des armes comme ça? Ah, si, voilà, cool! Lien, confectionner un surin. Ah, bah voilà! Artefact, je m'en bats les couilles. Voilà, on fait des surins, comme ça on est safe et on peut ramasser des trucs. Voilà. On est quoi, dans une école ou quoi? Oh, j'ai joué jusqu'au 5 et au 7. Ah, ok, d'accord. T'as pas fait celui sur Play 4, je crois que c'est le 15 sur Play 4, non? Donne-moi un coup de main. Oh, lâche-moi, enculé. Ouah, il m'a effrayé. Moi non plus, j'ai pas fait le 15. Oh, il m'a niqué toute ma vie, le bâtard. Ça va? C'est rien. Oh, bah voilà. Allons chercher des vibres. Rendez-vous avec les claqueurs. La vache. Comment c'était tendu. Ouah, il est pas beau. Il est pas beau. Oh, à manger. Il y a encore du café si vous voulez. Il y a un distributeur qui doit être vide. Il y a rien qui traîne ici. Tiens, remets-toi sur pied. C'est sympa. Merde, j'ai lâché.
Bah je croyais qu'elle m'a donné un kit de soins. Ah je peux en faire. Ah bah voilà. Utiliser le surin pour ouvrir la porte. J'espère que ça valait le coup. Quoi, j'ai utilisé mon surin pour une bouteille. Ah non, j'ai trouvé des trucs. Oh, des balles. Oh oui. J'aime les balles. Les balles, c'est la vie. Dans ce monde de brutes. C'est bon, j'ai tout ramassé. Ouais, c'est bon. J'ai 18 balles. Oh là là, je crois que dans tout le jeu, j'en aurai jamais autant. Fouille bien les lieux. Bah, c'est ce que je fais, hein. Je fouille bien, là. Je peux pas fouiller mieux, là. Je pense que j'ai fait le tour, là. Ouah, j'entends un claqueur, là. Allez, foutre le camp d'ici. Oh, bon sang. Ça pue du cul. Ça pue du cul, ça pue du cul, ça pue du cul. Bon bah, pas le choix. Oh! Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Je crois que vous avez un petit problème au niveau du visage. Je crois que vous êtes pas très très à l'aise là. Comment je monte? Aide-moi à monter, que je jette un œil. Ok, vas-y, viens, monte. Regarde s'il y a un moyen de passer. Oh, une quatrième personne dans le live. Bonjour à toi, quatrième personne, que je sais pas qui tu es. Présente-toi. Présente-toi, mon ami. Ok, à ton tour. C'est qui monte? Elle. Vas-y, hop, monte. Mais cette meuf, elle a une puissance physique hors du commun. Et moi, je peux monter? C'est Hulk, la meuf, c'est Hulk. Elle m'a soulevé à une main, normiche. Quoi, le virus, il existe en vrai? Pardon. Oh, mamma mia. Dans le jeu Life is Strange 2, il y a une référence à The Last of Us. Mamma mia. Mais je peux pas le tuer, les claqueurs. Et voilà. Putain, mais je suis double 07, moi. C'est bon. Ellie, tout va bien? Personne qui peut m'arrêter. Je me suis pissé dessus. Avec un surin, tu peux le tuer. Ça va. Si, ça s'appelle le cordio... D'accord. Ah, il faut des surins pour tuer les claqueurs, d'accord. Et le virus existe en vrai? Mais c'est ouf, ça. Toi, je passe comment, là? C'est capoute, là. Comme ça. Juste une minute. Oh putain, le bruit que ça va faire, ça. Et voilà, mesdames. Totale discrétion. Allez. Tout est dans la discrétion. L'escalier est bloqué. Oh là 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 là. Regardez en bas. Oh là 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 là. Mais moi j'ai le vertige, moi. Oh maman. Oh maman mia. Allez. Avance, 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 ça va tomber là. Vas-y, avance, 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 bouge ton cul, allez. Hé, hey, je peux pas rester là. C'est bon. Ah, c'est... Oh.
Le Capitole, il est là-bas. Mon objectif. Coucou. Oh, un bout de bois. Et je peux les assommer au bout de bois? Je peux leur casser la gueule avec un bout de bois ou pas? Oh, j'ai deux armes. Oh là 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 là, mon pote. Emplacement d'armes. Vous pouvez porter plus d'armes que vous n'avez détruites. Les armes supplémentaires sont stockées dans votre inventaire. Elles peuvent être échangées contre une arme équipée. Maintenez X pour ouvrir votre inventaire. Je crois que j'ai découvert quoi d'autre. Ok. Donc je fais ça. Ça. D'accord. Ok. Les affectés normaux, oui, mais les claqueurs, non. D'accord. Les claqueurs, je peux pas les niquer. Mais pourquoi ils veulent le change d'arme? Ah, ils veulent que je prenne le Colt. Des coureurs. Des coureurs? Reste avec la fille. Oh là là. Genre eux, je peux les buter ou pas? Les coureurs, je peux les niquer ou pas? Oui, tu peux. Ok. Genre lui, je peux le baiser là. Ah, des claqueurs ici. Ah, ok. Oh oh. Oh putain, ça pue du cul. Oh, y'en a un là. Ouah, je l'ai même pas vu l'enculé. Je suppose qu'il faut que je les nique tous, hein. Ah oui, il y a un claqueur, effectivement, ouais. Uh-oh. Oh, mais ça fait flipper de ouf. Oh oh. Oh putain. Oh putain, je me suis fait repérer. Putain, merde. Ah, j'ai fait le con là. Ah, je pensais pas me faire repérer. Attends, je vais mettre de la lumière. Ah, putain, je pensais pas me faire repérer. Ok, alors, changement de stratégie. Bon, le premier, c'est bon, on sait qu'il est là. Ok, lui, y a pas de souci. Ok, changement de stratégie. Donc le claqueur il one shot hein. Ok d'accord. Ça au moins on le sait, c'est bon à savoir. Je vais essayer d'en tirer un ici en fait. Allez viens. Oh putain. Let's go.
Eh merde. Il est où le claqueur ? Wouh ! Aucune pitié. Ok, descendez. Je comptais, je voulais pas me faire repérer, mais putain, ah ouais, les coureurs ils sont chiants, hein. Ah, les coureurs ils te repèrent de loin, hein. Ils rigolent pas, eux. Ouah, j'ai eu chaud au cul, sa grand-mère. Autant échapper aux humains, pas de problème. Autant échapper aux claqueurs et aux coureurs, c'est un petit peu plus chaud. Les coureurs ils voient bien. Ah bah j'ai remarqué qu'ils voyaient bien là. Les enculés. Putain, j'ai eu peur. Faut flipper les claqueurs. Mais bon, je m'en suis bien sorti. Je m'en suis bien sorti. Ça m'a coûté quand même quelques munitions. T'as changé d'arme, ça prend une plombe par contre. Je vais recharger le Colt. Merci, merci. Bon, ils m'ont tué une fois avant, c'est un peu chiant quoi. Ils ont réussi à me buter avant. Mais au moins j'ai compris que les claqueurs, il faut les tuer très vite quoi. Parce qu'ils te one shot. Et ça, c'est pas très très bien. Venez par là. Oh, mais quelle musculature hors du commun! Allez, lâche! On dit que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Ouais, ouais. Ok, tiens bon. Mais je pensais pas que les coureurs. Qu'est-ce qu'ils font? Ah, pour bloquer la porte. En fait, c'est les coureurs qui sont chiants. Hein. Les claqueurs, ça va, ils sont pas. Ils one shot, mais ça va quoi. Ouais. Comme ils sont aveugles, tu peux les semer. Les coureurs, par contre, quand ils s'énervent, pop, 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 pop. On descend. On est obligé de descendre. Et moi, je veux pas descendre. Tu descends par où? On saute? Ah non, là. On peut passer là. Ça pue du cul. Puis j'ai que 2 sur 1. Par contre, la barre de fer, je lui ai cassé la gueule au truc. Il a pas compris. Je lui ai démonté ses gencives. Je suis pas rassuré. Oh là là. Tu veux souffler un peu. Ils savent nager les claqueurs. Tu vas dans l'eau sinon. Et toi, tu m'envoies toujours chier. Oh oh. Alors lui, il est pas très frais. Hein. Ah, je prends une douche. Elle est bonne. Est-ce que c'est bien fait l'eau? Non. Je suis même pas un peu décoiffé. Ça c'est un peu con ça. Je pense pas qu'ils savent nager. Bah voilà. Donc s'il y a un problème, je plonge dans l'eau et c'est bon. Je sais même pas où je vais, tu sais. Par là, non? Par ici.
Pas très rassurant tout ça. Oh. Joël, par ici. Oh, là je sens que ça pue là. Là, là, c'est le genre d'endroit où ça pue la merde. Où ça pue clairement la merde. Je suis dans le métro. Regarde sa manche. Une luciole. Ouais. Ces types tombent comme des mouches en ville. Ouais, cocktail Molotov, motherfucker. Au point de rendez-vous. Oula. Lui, il a pris sévère aussi, lui. Ah, il y a un mot. Qu'est-ce qu'il dit, ce mot? Je suis mort, je sais. C'est quoi, il écrit quoi? Retrouver la deuxième équipe de Luciole au Capitole. Fille, 1m62, 14 ans, rousse. Ah, c'est bon, elle est avec moi. Elle est là. Ça va chauffer, je suis... Ah bah là, ouais, ça va chauffer. Je vais leur cramer la gueule. Donc c'est flèche de bas. D'accord, ok. Flèche de bas pour le cocktail Molotov. Mais les claqueurs, alors je peux les tuer au corps à corps, alors on est d'accord. Hein. Pourquoi il faut que je passe devant moi là? Oh, oh maman. Avec un suré uniquement, ok. J'en ai 3. Ok. Il y a que des claqueurs là? Ou il y a des coureurs là? Oh, c'est qui lui? Ça, c'est un claqueur ça. Oh maman. Bouge pas. Tu fais quoi là, sale folle? T'es malade ou quoi? Hop là. La lumière, il la voyait pas alors hein. Oh maman. Oh maman. Je sais même pas où je dois aller. Ok. Comme c'est, je sais pas où je dois aller en fait. Pas du tout, je dois aller en fait. Je sais pas où je dois aller. C'est un petit peu ça mon problème actuellement. Je dois aller où, putain? Oh putain. Oh, il y en a un qui voit là. Il y a un coureur qui arrive. Oh putain. Thank you.
Combien vers là, ce con? Je sais pas où je dois aller. Oh putain. Pas bouger. Tirez l'autre connasse! Putain! Mais range ton arme, espèce de débile! Putain, mais elle est trop con, elle! Oh là là, je veux tirer avec mon arme parce que je suis une grosse connasse! Putain! Putain, tu mériterais que je te fume! Putain, tu mériterais que je te fume! Une balle dans la tête! On rentre de côté. Ah, bien joué ça. Note de Derek. Qu'est-ce qu'il dit lui? C'est quoi ça? 3K. Oh, le coffre de Derek, il est où? À la librairie? Where is the library? J'ai une idée. Putain, le seul claqueur qui restait... Oh, mais le coup du cocktail Molotov, il était bien joué, là. Oh, je les ai tous cramés, ils ont pas compris. Putain. Bon, derrière, ça a un peu parti en couille. Mais, c'était pas mal joué. Ils ont tous cramé, ces bâtards. Ha ! Fais-moi aller malin, là, hein ! Saloperie, va. Oh, je les ai carbonisés, wesh. Merci, 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 merci. On s'en sort comme on peut. Qu'apparemment, il y a une librairie avec un coffre dedans. Je vais essayer de la trouver.
peut-être ici. C'est ici la librairie? Quoi? Putain, saloperie, va. Ouah, elle sortait d'où celle-là? Putain, elle m'a fait peur. Il est là le coffre. Yeah. Il est là le coffre-fort. J'espère. C'est quoi? C'est des pièces d'armes? Santé. Rayon. Ah, ça va, faut que je trouve des cachets pour améliorer mes compétences. D'accord. Et là, je peux faire quoi? Lame de surin. Chiffon, alcool, kit de soins. Bah, je vais faire un côté molotov parce qu'il m'a bien aidé le bâtard. Pourquoi je crois que j'ai vu un claqueur encore avant la derrière? Il y avait un claqueur là-bas. Ouais, voilà. Donc je suppose que c'est la sortie. Par ici. C'est presque terminé. Allez, merde. Ouais. Ok, alors attends. Bouge pas. Vite, 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 vite. Monte, allez, monte. Monte. Je veux monter, merci. C'était tendu là. C'était Tandax la Famax. Ah, donc dans le métro, j'avais raison. Oh, putain, on a réussi. Je suppose que c'est pas fini. Ouais, allons-y. Ouah, j'ai survécu. Ouah, je suis un monstre. Et ça ne va pas durer. Oh là là. Merde, comment j'ai eu chaud aux fesses, mon gars. Pouf. Heureusement que j'avais un cocktail Molotov et que j'ai tous cramé, ces enculés. Y'a pas des objets à trouver ici? C'est par où, Tess? Le capital est dans cette direction. Ok. Ouais. Bon, ça va coûter un molotov, mais c'est que c'était chaud là. Comment on franchit ce camion? Oh putain! Voyons ce qu'on peut trouver. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Bon, on va tous les cramer de nouveau, hein. Ouais, je suis vraiment désolé, hein. Ok. Je pense que c'est mieux comme ça, au moins on achève leur souffrance. Ça veut dire qu'il y en a d'autres dans les parages, on se tire. T'es chaud bouillon. En vrai, je stresse de ouf, hein. Il me fait stresser ce jeu. Ok. Ça me fait stresser de ouf de faire tout ça là. Là, les survival horror à la base, c'est pas trop mon style de jeu et. Pour l'instant, je m'en sors bien. Mais c'est super bien fait, putain. C'est ultra bien fait, bordel de merde. Est-ce que j'ai de quoi faire un cocktail Molotov?
Non, il me manque un chiffon. Ah putain. Par contre, je peux améliorer le rayon d'écoute. On va faire ça. Voilà. Allez, go. On avance. Parce qu'il est 18h30. Je pense que j'arrêterai le live vers 19h. 19h heure française. Grimper là-dessus. Après là ça va, on rencontre que des claqueurs et des coureurs. Après il y aura les humains encore qui vont venir faire chier le monde. Merci. Quoi? J'entends que dalle. On accélère. Oh merde. Ils arrivent. Passe en dessous. Passe, passe en dessous. Ah bah elle a perdu un bras elle. Oh ils sont vénères. Alors on se retourne à la 10 derrière. Eh dégueulasse. Ah c'est immonde. Qui veut un bras? Bon, comment on sort de cet endroit? On va bien trouver. J'espère qu'il y a des trucs à craft ici. Ah il y a un établi. Marlène pense que t'es immunisé. Ouais, ça c'est ce qu'elle croit. Je ne me souvenais pas de cette scène. Bah voilà, on s'en souvient maintenant. Ouais. Étui pour un deuxième pistolet. Il me manque une pince, ok. Ouais, pour explorer la ville. Permet de recharger votre arme. J'étais dans le centre commercial quand j'ai croisé des infectés. L'accès à cet endroit est interdit. Comment tu y es entré? Je me suis débrouillée. Bref, un de ceux que vous appelez coureur a fini par me rendre. Voilà, c'est tout. Je vois. T'étais avec Marlène quand tu t'es fait mordre? Non. Je suis allée lui demander de l'aide après. Ça m'étonne qu'elle t'ait pas descendue sur place. Elle a bien failli. J'espère qu'elle va bien. Je te l'ai dit, elle va s'en sortir. On va améliorer chaque arme un petit peu. Et il faut que je trouve une pince pour l'étui. Ça c'est intéressant l'étui. Parce que du coup je peux changer d'arme plus rapidement si j'ai bien compris. Qu'est-ce que c'est? Des cachets. Parce que c'est vrai que je suis un gros drogué, il me faut des cachets. C'est tout ce qu'il y a? Toi, Starnak. Bon. Bah on se pète alors. Par contre, je sais pas, le jeu il sauvegarde automatiquement ou... Ah non. Bon, on sauvegardera après. C'est par là. Oh. Ah, faut que je le recharge le Colt, je crois. Je crois, il est pas chargé, je crois. Ouais, faut que je le recharge. Voilà. On va garder le Colt en main. Ah, y a des sous. Ah, je crois que c'est des sous, c'est du plafond. Hop là, merci. C'est vraiment les enculés de mettre des tiroirs vides, putain. Attends, je vais voir, il y avait une autre porte là. Ça mène au même endroit. Il y a un vase, tout seul. Genre le vase il a résisté à tout, tu sais. Il y a une cloche qui est tombée et tout, mais le vase, pff, il a pas bougé. Ah bah elle l'a cassé. Désolé, c'était moi. Tess. Désolé. Allez, reste avec moi. Elle a cassé le vase. Colasse. Je suis en train de dire que tout était tout était cassé sauf le vase et elle pète le vase. Ah on est dans un musée là. Si les claqueurs pouvaient rester où ils sont, ça m'arrangerait.
un ancien musée. Foutez-moi la paix, s'il vous plaît, je visite le musée. Il n'a pas survécu finalement. Eh non, le vase. J'étais en train de faire une grosse tirade. Ah, le vase, il a survécu, c'est trop bien et tout. Et en fait, non. Et en fait, c'est Ellie qui le casse, petite conne. Pense un peu au patrimoine, merde. Ok, attention à la tête. Mais quelle puissance physique. Je suis en vie. Genre, je passe pas là dans le trou là. Je vais essayer de vous rejoindre. Tess. Go, go. Et merde. Tess. Oh, oh maman. Ah mais non. Là ils sont beaucoup. Et là par contre j'ai plus de molotov. J'ai rien pour faire diversion. Autant vous dire que je suis dans la merde. On va y aller tout doux. Peut-être il est derrière moi l'autre bâtard. Tess. Tess. Merde. Prendrait bien un peu de ketchup avec ceci. Ah, ils font flipper les claqueurs, hein, putain! Donc ils sont aveugles, hein, donc je peux laisser la lumière, hein, on est d'accord. Oh, il a pas suivi l'autre. Mamma mia. Bon, je vais ouvrir la porte avec le surin parce que j'ai pas le choix. Ah bah le stress de ouf là. Ah je stresse de malade. T'as pas idée. Quoi 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 quoi. Quoi. Hein. Mais quoi. Hein. Mais attends, j'ai jeté le truc derrière lui. Oh mais c'est quoi cette arnaque. Attends, je suis où là. Ouais, je sais quoi. Mais oh, que je me suis fait baiser de ouf là. Oh c'est quoi. Oh mais oh. Oh je suis deg. J'ai pas compris là. Il y avait rien là. Oh j'ai pas compris là. Comment il m'a repéré. J'ai pas compris là. Pourtant j'ai jeté la bouteille derrière lui hein. Bon ça cause la porte. Ça c'est sûr. Oh tout ce qu'il y a là. Oh.
J'ai pas de quoi faire un molotov là? Ah! Dans quelques secondes, vous allez moins faire aller malin quand vous allez voir le feu au cul. On va faire ça. Allez, amenez-vous. Hein? Ah, il vient pas les autres. Oh putain. J'ai pas eu le temps de tirer. Putain. Ça m'énerve. Pourquoi ils sont pas tous venus? Oh. Ils marchent au bruit ces enculés. Vas-y, vas-y, je vais y aller doucement là. Je vais pas les tuer, je vais aller en infiltration, c'est bon, ça me gave. Tess. Merde. Allez, vas-y, casse la porte, c'est bon là. Voilà, hop, c'est bon, merci. Vas-y, on ramasse tout. Hop, 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 ça me gave là. Il y en a deux là, un là-bas. Ok. Est-ce qu'ils peuvent venir tous ici, s'il vous plaît? Non? D'accord. Donc en fait, les deux autres, ils sont sourds, en fait. Il n'y a que ce fils de pute qui m'entend. Les autres, ils sont sourds. Foutage de gueule. Mais je sais pas où je dois aller en fait. Je pense que je dois passer dans le milieu, je pense. C'est lui qui me fait chier. J'ai vu la porte là-bas. C'est lui qui me fait chier. Au pire, ferme la porte, non? Je sais pas. Ah, merci à toi d'être resté jusqu'à maintenant pour le live, ça fait plaisir, de toute façon il reste un quart d'heure. Merci à toi pour le follow, d'être venu, et puis à bientôt pour la suite, puisque là comme je vais arrêter, bah je finirai la semaine prochaine. Enfin je jouerai la semaine prochaine. Donc merci à toi d'être venu.
Calm down! Calm down, mec! Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Merci, c'est cool. Merde. Quoi, tout ce qu'il y a qui arrive. Tiens, mange. Oh, dans la tête. Oh, coup de genou, ça part en Muay Thai. On va recharger parce que là c'est un peu chaud. Non, je vais prendre l'autre arme. Parce qu'avec l'autre arme au moins je peux enchaîner les balles. Putain, ça s'est fait au free fight, mon gars. À main nue, on y allait. Tess, ça va, tu tiens le coup? Je suis juste un peu essoufflé. Ok. Par ici, ça nous mènera au toit. Faut monter sur le toit? Ok. C'est bon, c'est ce bâtiment. Ah, le Capitole, il est là-bas, ouais. Faut que je la mette où, la planche? Ah, de l'autre côté, là-bas. D'accord. C'est là qu'il faut que je la mette, je pense. Parce que c'est jaune. Ouais, c'est là. Okay. Et voilà! Fais bien attention en traversant, parce que tu pourrais... Je vais juste faire pouf! Elle va tomber en bas! Connasse. Petite conne. C'est pas là où il y a la girafe? Alors, est-ce que c'est de ça que tu rêvais? Ça reste à voir, mais... La vue est magnifique. Allez, par là. Quand il n'y a pas de claqueur, ouais. Là, il pense à sa fille. Traîne pas. On y est presque. Reste concentré. À vos ordres. Reste concentré, mec. On est bientôt arrivé. On va te fumer ta grosse daronne. C'est juste derrière. Allez. On n'est pas loin du Capitole. Ne t'arrête pas. On aura peut-être le temps d'y arriver avant que j'arrête de jouer. Avant que j'arrête le stream. Je pense pas. Vas-y, descends là, petite conne. Tu me gênes. Tu veux que tu sers à rien. Oh, y'a du sort là. 100 égale pas bon signe égale problème. Oh. Merci pour les balles. Regarde ça. Il a le symbole des lucioles sur le pas. Bah j'ai remarqué. Lire. Et si on arrive là-bas et qu'ils sont morts, ils le seront pas. Mais comment tu le sais? Je le sais, c'est tout. Écoute, tout va bien se passer. Ok.
Là, je suis éboueur professionnel, hein. Je bouge les poubelles comme jamais. Au pire, je peux la tuer tout de suite. Hein. Allez, sautez. Et c'est parti. Quel enculé. On y est presque. Ah, le Capitole, il est là, on je crois. Y est presque, ouais, c'est ça. Il n'y a pas hors des emmerdes ici, si je me trompe pas. Juste pour info, je sais pas nager. Bon, ça a l'air moins profond sur la droite. Suis-moi. Je suis contente que Marlène vous ait empêché. Comment ça? Je sais qu'elle vous pète pour ça. Ouais, pas de problème. Ça va pas partir en couille ici, il me semble. Oh. Non. Non, non. Oh putain. On fait quoi maintenant? Qu'est-ce que tu fais, Tess? Oh merde. Peut-être qu'ils avaient une carte ou un truc pour nous dire où ils allaient. Jusqu'où ça va aller comme aussi ça? Aussi loin qu'il le faudra. Où se trouvait leur labo? Elle m'a pas dit, elle a juste dit que c'était quelque part vers l'ouest. Qu'est-ce qu'on fout ici? C'est pas pour nous, tout ça. Qu'est-ce que tu sais de nous? De moi? Ce que je sais, c'est que tu es bien plus maligne que ça. Vraiment? Écoute, on est des ordures, Joël, et ça fait trop longtemps que ça dure. Non, on est des survivants. C'est notre chance! C'est terminé, Tess! On a essayé. Alors maintenant, rentrons chez nous. Non, je... Non, je n'irai nulle part. Pour moi, ça s'arrête là. Pourquoi? Quoi? Il fallait bien que ça arrive un jour ou l'autre. Mais enfin, qu'est-ce que... Non! Elle a été mordue. Ne me touche pas. Oh merde. Elle est infectée. Joël. Fais-moi voir. Ça te fait pas... Fais-moi voir. C'est con, hein? Donne-moi ton bras. Ça fait 3 semaines. Je me suis fait mordre il y a à peine 1 heure et regarde, c'est déjà pire. C'est pas des conneries, Joël. Tu dois emmener cette fille chez Tommy. Il traînait avec ces types, il saura où elle est. Non, 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 ça c'était ton idée. Je ne veux pas faire ça. Si, tu dois, écoute. Après tout ce qu'on a traversé ensemble, tu peux bien faire ça pour moi. Alors tu vas l'emmener chez Tommy. Merde. Merde. Oh, l'armée. Ils arrivent. Putain. Je peux les retarder, mais vous devez faire vite. Quoi? Alors tu veux qu'on te laisse ici? Oui. Tess, il est hors de question. J'ai que... J'ai aucune envie de finir comme ces monstres. Je t'en prie. Ne rends pas ça plus difficile. Je peux me battre. Vas-y, pars! Allez, fous le camp. Putain, vas-y, c'est... Allez. J'aime pas les scènes comme ça. Je voulais pas que ça arrive. On y va, dépêche-toi. Putain, Tess. Sortez avec les mains en l'air! Merde! J'arrive pas à croire qu'on ait fait ça! Tais-toi. Elle va se faire tuer là-bas! Tais-toi! Reste derrière moi, on doit y aller. Oh non. Continue d'avancer. Elle a descendu deux de mes hommes. Bien fait. Vous, ouvrez la porte. Oh non. Vous, avec moi. Tess. Bien fait. Putain.
vont pas tarder. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Joël ? Je m'en occupe. Fouillons le couloir. Toi. Prenez les escaliers, on va les coincer. Salut toi. Il se dirige vers l'arrière. Le dernier était vers là. C'était pour Thèse, bande d'enculés. Je vais tous vous tuer jusqu'au dernier, bande de bâtards. Vous allez regretter de l'avoir tué, moi je vous le dis. Même si elle était infectée, elle méritait pas de mourir comme ça. Pousse-toi! Pousse-toi! Oh là là, ça m'énerve ça! J'ai sauvegardé là. Voilà, on sauvegarde. Comme ça, je peux regarder un petit peu ce qui se passe en bas avant d'arrêter de live. Ok, donc je serai en bas, d'accord. Ok. Joël, comment on va sortir ? On va traverser cette salle. Reste baissé, je sais pas combien ils sont. Ok, on va s'arrêter là, je pense. Ouais. Ok, on va s'arrêter là. Donc, voilà, c'était un bon petit live tranquille. On a gagné un follower, c'est cool. Donc je vous dis merci à tous ceux qui étaient présents, merci à ceux qui auront vu la rediffusion sur Twitch, YouTube, pardon. On se retrouve prochainement pour un prochain live.
Alors quand dans la semaine, je sais pas. En tout cas, vendredi au plus tard, on se retrouvera pour Life is Strange 2, épisode 5, Wolf. Voilà. Donc merci à tous. Bon dimanche et bonne reprise du travail demain. Je vais pas dire de bonne reprise des cours puisque la plupart des élèves n'ont pas cours. Voilà. Merci le coronavirus. Allez, à bientôt.